Souvent surnommé le pays de toutes les possibilités, ce vaste pays occupe une place unique dans le monde. Un pays de culture, d'innovation et de créativité d'envergure internationale, qui influence à plusieurs niveaux. Bienvenue aux États-Unis. Aujourd'hui, nous partons en aventure vers ce pays à multiples facettes. Attachez vos ceintures, car nous allons explorer 80 aspects fascinants de ce pays incroyable, et je parie que vous découvrirez des informations que vous ne connaissiez même pas. Alors, préparez-vous à être étonné, car vous êtes sur le point de découvrir les États-Unis sous un autre angle. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire car ici nous partons en découverte profonde des différents pays de la planète. On commence. Pour le grand public, les États-Unis sont synonymes de fast-food, de pop-corn, de supermarchés géants, d'Hollywood ou du rêve américain. Alors, quelles sont ces choses positives ou négatives que vous ignorez sur les États-Unis d'Amérique ? Eh bien, les voici. Le drapeau américain a connu plusieurs versions au fil du temps. Le drapeau actuel à 50 étoiles a été conçu dans le cadre d'un projet de lycée par Robert F., âgé de 17 ans. C'était en 1958, et il n'y avait que 48 États, à l'époque, mais Robert F. avait l'intuition qu'Hawaï et l'Alaska allaient bientôt devenir des États. Le premier vol en avion s'est fait aux États-Unis en 1903. Les frères Wright ont effectué ce premier vol contrôlé d'un avion à Kitty Hawk, en Caroline du Nord. Mais malgré cela, aucun aéroport américain ne se trouve dans le top 25 mondial. Saviez-vous qui détient le record du temps passé dans l'espace? Eh bien, c'est une Américaine du nom de Peggy Whitson. Biochimiste et astronaute américaine, elle a été la première femme commandante de la Station Spatiale Internationale, ISS, son record est de 666 jours passés dans l'espace. Les États-Unis n'ont pas de langue officielle. La plupart des gens supposent que l'anglais est la langue officielle des États-Unis. Mais la vérité est que, bien que ce soit le cas dans de nombreux États, le gouvernement fédéral n'a jamais déclaré de langue officielle. Ni l'anglais ni aucune autre langue. C'est l'une des questions d'histoire sur lesquelles la plupart des Américains eux-mêmes se trompent toujours. D'ailleurs, l'anglais n'est pas la seule langue parlée, l'espagnol est également couramment utilisé. La Statue de la Liberté a été un cadeau de la France en 1886. Mesurant 93 mètres de haut, composée de 300 plaques de bronze, cette œuvre d'art était un cadeau de la France pour célébrer le 100e anniversaire d'indépendance des États-Unis. Aujourd'hui, environ 2 millions d'Américains vivent dans un camping-car, et ce chiffre ne cesse de grimper. Si t'es un camping-cariste, tu serais le bienvenu aux États-Unis. Environ un quart de la population carcérale mondiale se trouve dans des prisons américaines. Lorsqu'un Américain atteint 18 ans, il a vu en moyenne 40 000 meurtres à la télévision. Dans l'état du Montana, il y a 3 fois plus de vaches que d'habitants. Bizarre, n'est-ce pas? Plus de 2 millions d'Américains travaillent pour Walmart, une multinationale américaine spécialisée dans la grande distribution. D'après une enquête récente, 37% de la population américaine mange au fast-food au moins une fois par jour. Aux États-Unis, environ un tiers des membres de la génération Y vivent toujours chez leurs parents. En effet, la génération Y est l'ensemble des individus nés entre 1980 et 1995. Depuis 1999, le taux de suicide a augmenté de 33% aux États-Unis. Le Nevada est le seul État américain où la prostitution est légale dans certaines régions. Chaque semaine, plus de 100 églises américaines ferment leurs portes. Sûrement pour des raisons d'administration. Une ville de l'État du Michigan aux États-Unis s'appelle Hell, qui signifie enfer. Mais cela ne l'a pas empêché d'être littéralement congelé, suite à la dernière vague de froid. En 1947, dans la ville de Roswell, aux États-Unis, un vieux cow-boy découvre d'étranges débris et pense immédiatement qu'il s'agit d'extraterrestres. Au même moment, plusieurs personnes racontent avoir vu des soucoupes volantes. L'armée américaine s'en mêle. Les témoignages se multiplient. De farfelus spécialistes, les ufologues élaborent des théories fantastiques, liant les débris aux extraterrestres. Depuis ce jour, la ville de Roswell est devenue le lieu de pèlerinage de tous les passionnés d'ovnis et de vie extraterrestre. Ce n'est un secret pour personne que les Américains aiment la pizza, mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que les Américains en mangent suffisamment pour couvrir environ un demi-kilomètre carré par jour. Si l'on fait le total, cela représente 3 milliards de pizzas par an. Être juge à la Cour suprême des États-Unis est sans aucun doute un travail stressant, raison pour laquelle une salle de stockage au dernier étage de la Cour suprême a été transformée en terrain de basket. Les juges et leurs greffiers y font des paniers. Cela leur permet d'être relax. Le pays possède le plus grand nombre de parcs nationaux au monde. L'Amérique a le plus grand nombre de millionnaires et de milliardaires. Le sport national est le baseball, mais le football américain est le sport le plus populaire. Les États-Unis ont une longue histoire d'immigration. Les habitants américains viennent un peu de partout, ce qui a contribué à sa diversité culturelle. Aux États-Unis, le savon liquide est plus utilisé que le savon en barre.
le quartier de Wall Street à New York est le cœur de la finance mondiale. L'État de Hawaï est le seul État américain sur une île en dehors de l'Amérique continentale. La ville de Las Vegas est alimentée en grande partie par de l'eau importée. Le 4 juillet est la fête nationale des États-Unis, célébrant l'indépendance. La Floride est connue pour ses alligators et ses plages. L'île de Manhattan à New York était autrefois achetée pour l'équivalent de 24 $ en objets d'échange. La Silicon Valley en Californie est un centre technologique mondial. Les entreprises de prestige telles que Google, Apple, Facebook et Amazon y siègent. Le mont Rushmore, dans le Dakota du Sud, est sculpté avec les visages de 4 présidents américains. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. L'Américain adulte passe en moyenne 6h43 chaque jour devant un écran. Que ce soit une télévision, un ordinateur ou un téléphone portable, et environ 96% des Américains utilisent Internet. Dans la plupart des États américains, le fonctionnaire le mieux payé est un entraîneur de football. Chaque supermarché des États-Unis jette en moyenne 1,36 tonnes de nourriture chaque année. Il y a plus de 75 millions de chiens aux États-Unis, et ce chiffre ne cesse de grimper. L'Alaska a la plus grande superficie de tous les États, mais aussi la plus grande côte de tout le pays. Le lac Tahoe, en Californie et au Nevada, est l'un des lacs les plus profonds des États-Unis. Le parc national de Yellowstone abrite la plus grande concentration de geysers du monde. 300 environ, qui représentent les 2/3 des geysers de la planète. Les États-Unis ont envoyé 12 astronautes sur la Lune entre 1969 et 1972. Le baseball, un sport très populaire aux États-Unis, est le seul sport majeur avec des règles codifiées en Amérique. Les États-Unis sont également le pays le plus visité au monde, avec une grande variété de destinations touristiques. Le Grand Canyon, en Arizona, est l'une des merveilles naturelles les plus impressionnantes du monde, avec ses plateaux magnifiques. Les États-Unis ont une grande variété de climats, allant des déserts du sud-ouest aux glaciers de l'Alaska. L'endroit le plus chaud de la planète est la localité de Furnace Creek, dans la fameuse vallée de la mort en Californie. L'État du Texas est si grand qu'il pourrait contenir plusieurs pays européens. L'Amérique a une culture culinaire diverse, avec des plats emblématiques tels que le hamburger et le hot dog. La zone 51, située dans le désert du Nevada, est le lieu de nombreuses théories du complot et spéculations sur des activités secrètes liées aux extraterrestres. Aux États-Unis, il existe une tradition appelée « Pumpkin Chunkin », où des gens construisent des engins pour lancer des citrouilles à des distances incroyables. Le 2 février de chaque année, le pays attend avec impatience la prédiction de la marmotte Phil à Punxsutawney, en Pennsylvanie, pour savoir si l'hiver prendra fin tôt. Si la marmotte voit son ombre et retourne dans son trou, il prédit 6 semaines supplémentaires de temps hivernal. Si la marmotte ne voit pas son ombre, c'est qu'il prédit un printemps précoce. La Louisiane a adopté une loi interdisant l'utilisation de poupées vaudou pour nuire aux gens, avec des sanctions pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison car ces poupées étaient beaucoup utilisées pour faire du mal. Le festival du fromage roulant, chaque année, à Cooper's Hill en Virginie, les compétiteurs dévalent une colline escarpée de 100 mètres en poursuivant un fromage en roue, dans le but de le rattraper. À Washington, chaque printemps, des milliers de cerfs-volants s'envolent dans le ciel lors du festival annuel des cerfs-volants. Hawaï est le seul lieu où on fait pousser du café à échelle commerciale aux États-Unis. La célèbre ville d'Atlanta était autrefois appelée Terminus. Environ 11 millions d'hectares de terres agricoles américaines appartiennent à des étrangers. Le plus grand lac d'eau douce au monde se trouve aux États-Unis. Ce lac est nommé le lac Supérieur. Les États-Unis ont une histoire marquée par l'esclavage, qui a duré pendant des siècles avant d'être officiellement aboli en 1865. La colonisation européenne des États-Unis a entraîné la mort de millions d'autochtones américains par la maladie, la violence et la dépossession de leurs terres. L'histoire des États-Unis est marquée par la discrimination raciale, notamment la ségrégation raciale dans les lois Jim Crow. Les États-Unis ont été impliqués dans de nombreuses guerres et conflits, dont la guerre du Vietnam, qui a été très controversée. Les États-Unis ont connu une grave crise de dépendance aux opioïdes, qui a entraîné de nombreux décès et des problèmes de santé publique. Les États-Unis ont l'un des taux de violence par arme à feu les plus élevés au monde, ce qui a conduit à de nombreuses tragédies. Les États-Unis sont l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde, contribuant au changement climatique. Voilà donc, chers spectateurs, 80 faits fascinants qui nous rappellent à quel point les États-Unis sont un pays extraordinaire et diversifié. Espérons que cette vidéo vous a permis de découvrir de nouvelles facettes de cette nation incroyable. N'oubliez pas de partager vos commentaires et vos propres découvertes dans la section des commentaires, et assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations du monde passionnant qui nous entoure. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui, et à bientôt pour de nouvelles aventures.